depuis plus de 60 ans. Faire une activité en groupe, c'est quelque chose qui est enrichissant. Une passion rassemble dans le sud du Tarn. La musique en amateur, mais non pas la musique jouée par des amateurs. Un lieu idéal pour se vider l'esprit et s'évader à travers un répertoire varié. Se retrouver pour un moment de bonne humeur. Un apprentissage garanti par une hétérogénéité des niveaux. L'ouverture de la musique pour tous, quel que soit le niveau et l'âge. Une collaboration pour la pérennité de la musique en amateur. Des prestations variées. Des harmonies qui forment. J'allais souvent à des répétitions de mon père. Et c'est bien parce qu'il y a une bonne ambiance. Parce que des fois, il y a des orchestres qui sont stricts, qui veulent toujours répéter. Et tandis que là, c'est bien, quand on ne comprend pas, il y en a toujours qui viennent nous expliquer. Du coup, c'est bien. Bon, les jeunes, effectivement, pour l'avenir de l'harmonie, c'est important. Ils sont très, très motivés, ils sont encouragés par les anciens. Avec les nouvelles techniques aujourd'hui de communication, bien évidemment que les jeunes sont là pour amener un plus dans ce domaine-là. On accueille tout le monde, voilà. Un mélange des générations. Un répertoire allant du classique à la musique actuelle. Mozart, Bach, John Williams, Piazzolla, Verdi, Handel, Dvorak, Gershwin, Jacob Dehaene, Rossini. Un cadre d'exception. Et je suis allée à Rastatt pour me faire renseigner s'il y avait des harmonies et eux m'ont dit Roquecourbe. Oh ben, l'intérêt, c'est pour faire plaisir aux gens qui jouent. Un plaisir partagé. Il y a les jeunes qui sont super, gentils, amusants. L'harmonie est fédératrice. Faire de la musique pour le plaisir de tous et le mieux possible. La construction d'une œuvre de qualité grâce au talent de chacun. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. La musique rassemble. Prendrez-vous part à cette aventure?